Le lead programmeur est en quelque sorte le chef d'orchestre de toute la partie développement d'un jeu vidéo. Responsable d'une équipe de programmeurs, il supervise leur travail et donne les directives à prendre pour arriver au but. Un lead programmeur est en mesure de posséder des compétences à la fois techniques et managériales. Dans le détail, ce professionnel de la programmation maîtrise les éléments suivants. La programmation graphique, d'outils et réseaux, les langages de développement, les méthodes de conception d'un moteur de jeu, les outils de production, d'intégration, de visualisation et de test, ainsi que la gestion de projet et le management. De plus, il possède une très bonne culture du jeu vidéo et doit rester en veille vis-à-vis de tout ce qui se fait dans le milieu. Pour espérer travailler à ce poste, vous devrez passer par la case formation. Notre école GTech propose à la fois le bachelor développeur informatique option jeu vidéo, ainsi que le MBA programmeur jeu vidéo, deux diplômes desquels vous sortirez en maîtrisant tout ce qui est nécessaire pour exercer ce métier. En fonction de ses années d'expérience, de son profil et de l'entreprise pour laquelle il travaille, le salaire d'un lead programmeur est variable, mais en moyenne, il gagne près de 50 000 euros par année. Pour des informations détaillées sur le lead programmeur, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre manifesto des métiers du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.